C'est vrai, c'est une joie de se trouver dans la présence de Dieu. Et vous savez, comme il a dit, Anthony, je ne sors pas beaucoup. C'est pas parce que je ne peux pas, mais c'est que à l'église là-bas, c'est pas que je suis indispensable. Il y a toujours des frères et Dieu soit béni. Mais je suis habitué comme ça. Je reste dans mon coin. Et lorsqu'il faut sortir, ben je sors. Lorsque le Seigneur me dit de sortir, je sors. Ou sinon, ben je reste là. Et je suis comme tous mes frères, c'est un temps de Dieu. Et j'attends que le Seigneur me donne à faire l'œuvre que lui demande. Et je crois que c'est une grâce ce soir d'être là avec vous tous. Et c'est vrai. Premièrement, je l'ai déjà remercié, mais c'est pour vous dire. Je veux remercier toute la jeunesse de l'église de Port-de-Bouc, tous les jeunes, en particulier avec le frère Romain, qui ont voulu que je vienne. Donc ils se sont décidés, mais ça ne veut rien dire. Hein. Ça a été juste la fin. Ils disaient, il faut que tu viennes avec nous. Alors je dis, ben, si c'est la volonté du Seigneur, je viendrai. Et c'est eux qui ont tout fait. Ils ont payé tout. Et ça, c'est vraiment ce nous touche. Que Dieu bénisse toute cette jeunesse. Vous savez, comme a dit Tony, il a l'habitude de venir, il m'a dit des frères, toute la gloire il est pour le Seigneur. Mais il y a une petite église. Mon petite église, que déjà ça fait un petit moment qu'elle y est. J'ai commencé à faire des réunions, disons à Port-de-Bouc. Je suis par grâce, parce que le Seigneur a voulu comme ça. J'ai rencontré le Seigneur dans les années 81. En 83, je suis parti à l'école biblique. En 84, j'ai terminé. Et après, bien sûr, vous savez, à l'époque, c'était 2 ans mis à l'école. Et puis après, bon, j'étais serviteur. Mais avant d'avoir la carte, comme on dit, ben, je prêchais, on m'avait laissé la charge des anciens. Et puis avec la grâce du Seigneur, ça s'est fait. Avant de faire, des réunions dans une église normale, hein, vous savez, on a commencé dans une cave. On ne trouvait rien. Et puis on a dit, Seigneur, on était un petit noyau là-bas. C'était dans les années 80, comme je viens de dire, il n'y avait rien, il n'y avait aucun réveil. On ne savait pas ce que c'était. Lorsque des frères qui sont venus, mon ancien c'est les Nico, pour ceux qui le connaissent, les Nico de l'Alsace, et puis un autre, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et donc, ils étaient venus à Port-de-Bouc, justement, et ils nous ont apporté la parole de Dieu. Donc on s'est convertis, il y avait 3 familles, simplement, à Port-de-Bouc. Et aujourd'hui, avec la grâce du Seigneur, mais il y a un petit arbre qui se fait. Hein, alors la petite église, elle est trop petite. Donc c'est pour ça que nous faisons appel aussi maintenant en prière. On voudrait agrandir maintenant. On va voir, quand on rentre après le séminaire, on va s'en occuper avec les garçons. J'ai une équipe extraordinaire qui doit les bénir, les garçons. Donc on va s'en occuper de ça. Après, on va vous dire. Vraiment, je suis dans la joie de me trouver parmi vous. Et je crois que ce séminaire, ce n'est pas simplement pour moi, mais pour tous. C'est une grande et riche bénédiction d'Allah. Et je le crois de tout mon cœur, que ce soir encore la parole de Dieu va être annoncée. Et cette parole va toucher encore les cœurs. Surtout pour celui qui ne connaît pas le Seigneur. Et pour ceux qui le connaissent aussi. C'est bon d'écouter la parole de Dieu. Ce matin, j'ai été béni de la part de Dieu. Notre frère René nous a porté le conseil. Et vous savez, quand je suis rentré là, avant 10h, l'Esprit de Dieu m'a saisi. Et je faisais que pleurer. Je faisais que pleurer. Et je disais, Seigneur. Et c'est vrai que si je, avant mon réappelier, c'était la confirmation du message de René. C'est que le Seigneur, je lui disais, Seigneur, je suis, ce matin, je ne sais pas, je suis comme Jérémie ce matin. Seigneur, ce matin, je fais tout pleurer. Je ressens ta présence dans mon cœur, Seigneur. Et le Seigneur disait,
que l'homme de Dieu pleure pour la production. Amen. Et je disais, Seigneur, merci. Et je suis sorti béni de la part du Seigneur pour vous tous. Pour vous tous. Et qu'est-ce que je pourrais ajouter? Que je pense que ça ne sera pas le dernier séminaire. Si le Seigneur tarde à venir, mais ce qu'il y a, mes frères et sœurs, il faut avancer avec le Seigneur. Les frères, ils ont prêché ce matin, cet après-midi. Le retour du Seigneur pour bientôt. Encourageons nous, les uns vers les autres, pour qu'on puisse tenir le cap jusqu'au bout. Jésus revient bientôt. Amen. Que Dieu vous bénisse à tous. Amen. Amen.